Il shoot pour la crossbar. Oh, Urban Ball FC ramène leur joker. L'homme cylindrique. Symétrique. Rien à prouver, on a dit. Salut YouTubeurs, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour la sortie de la nouvelle balle Urban Ball, la Revolution Ball. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai set up un challenge qui s'appelle le Revolution Challenge. Aujourd'hui j'accueille 4 individus qui vont venir s'affronter en équipe de 2 pour faire ce challenge. A ma droite, l'équipe de Panaboleur, à ma gauche, l'équipe du Urban Ball FC. Ils vont devoir faire 3 essais chacun, on va additionner les temps. Comme vous l'avez vu, vous pouvez avoir des points additionnels si vous faites des bons contrôles, si vous faites des tours du monde, si vous touchez la barre et si vous récupérez la balle avant qu'elle touche le sol. Ils vont essayer de faire le Urban Ball Revolution Challenge, on va voir ce qu'ils valent, c'est parti. Qui commence? Quelle équipe commence? Toi tu commences, les Hamsi, il est en furie. Tu as vu le challenge, comment ça te semble? C'est pas si évident que ça, mais je pense que c'est faisable. Bon bah voilà, c'est les Panaboleurs qui commencent. Vous avez 3 essais chacun, on va additionner votre temps. Et let's go. Ok les MC, j'espère que tu es prêt. Ça fait 3, 2, 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, les 10 sont passés. Attention, le contrôle. Les 2 secondes sont respectées, ok. Ok, oh, ça tourne du monde, ouais. Sans qu'elle tourne par terre pour la crossbar. C'est pas validé. Elle a rebondi avant le but. Ok, stratégie, permute. Je vous rappelle qu'ils ont 3 essais chacun, donc 6 essais par team. Anna, est-ce que tu es prêt? Ok, ça fait 3, 2, 1, let's go. Ça va vite. Ça va très vite. Voilà, ça lève facilement. Petite touch stylée. Les 2 secondes sont respectées. Il la garde en l'air. Oh, il passe une fois moins une seconde. Il chute pour la crossbar. Récupère le ballon, c'est magnifique. On change d'équipe. Bon, Anas. Ok les gars, c'est archi chaud. On a 16 secondes pour Anas. Et en plus de ça, il a fait un tour du monde ou un crossover, ce qui fait qu'il a moins une seconde. Et en plus de ça, il a touché la barre, puis il l'a récupéré ensuite. Ça lui fait moins 2 secondes. Donc il est actuellement à 13 secondes pour l'équipe des Panaboleurs. On peut l'applaudir, franchement. Alors Anas, que penses-tu de cet essai? Tu peux nous en dire plus? Ouais. Ok, ça fait 3, 2, 1, let's go. Là il y avait une petite pénalité de plus 1. Pourquoi? Parce qu'il a pas tiré la balle assez haut. JMK vous présente Wakanda. Juste au tour de JMK d'enchaîner le Revolution Challenge. JMK quand tu veux, ça fait 3, 2, 1, let's go. Oh là là. On la compte pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah mais tu vas être en balle. Non, allez, faites-moi un petit replay là du... JMK vous présente Wakanda. Oh là là, t'as des petites techniques toi. Personne n'est infaillible. C'est au tour de Mister Lehamsi pour le Revolution Challenge. Ça fait 3, 2, 1, let's go. 1, 8. Personne n'est infaillible. Les hamnons. L'âme cylindrique. Symétrique. L'âme ciseau. Allez, ça fait 3, 2, 1, let's go. Ok, il l'a gardé en l'air. Supprime des secondes. Validé. Là-bas. Ouh, c'est validé. Ça fait 19 secondes moins une seconde pour le tour du monde. Ça fait 18 secondes pour les Hamsi. 18 secondes et 13 secondes. Ça fait 31 secondes pour la team Panaboleur. Ok, c'est au tour de JMK. Ça fait 3, 2, 1, let's go. Ok. Ok, il se concentre. Va-t-il valider son essai? Oh là là, le tour du monde! Et claqué! C'est un tour du quoi? Tour du mondial! Bon, je la mets dedans. Moi, depuis tard, je veux viser la barre, c'est pour ça. Là, je vais la mettre dedans. Je vais faire comme ça, hop, je vais rentrer. Là, son contrôle, regarde.
JM claqué. JM coincé. JM coïncidence. Vous savez comment on fait pour répondre aux détracteurs? Allez, vas-y, réponds sur le terrain. Ça fait 3, 2, 1, let's go. Ouais. Oui. Ouais. Oh, rien à prouver, on a dit. Hashtag. Rien à prouver. Ok. Hashtag. Il nous a claqué. Comme ça. Putain, tu peux pas nous dire ça depuis tout à l'heure? Ah là là là, mais faut pas qu'elle. Il s'est mangé une baguette lui-même. Les gars, je vous avais dit, le Revolution Challenge, c'est pas fait pour n'importe qui. Ça demande du freestyle, ça demande du contrôle, ça demande de la lucidité, ça demande de la précision. Eh mec, c'est pas si dur, donc je te conseille d'essayer à la maison, mais fais attention parce que tu peux te mettre des balayettes apparemment. On est obligé de faire un changement. Urban Bowl FC ramène leur joker, Mister Nassim, qui est venu en direct de Livry Gargant. Nassim qui est rentré, joker de luxe. Vous connaissez Nassim. 3, 2, 1, let's go. Très vite, ok, c'est pas mal, boum, oh, ça tombe pas, c'est clean, oh il a fait le tour du monde, ouais il valide. Nassim. Ouais, je croyais quoi les gars. Nassim. 14 secondes. Et j'enlève une seconde, ce qu'on a à 13 secondes, 93, on se retrouve avec, comme vainqueur, l'équipe Urban. Ce n'est pas fini, ce que je vous propose, parce que le gagnant de l'épreuve en total, franchement, qui a rentré avec un seul essai du premier coup, c'est Mister Anas, on va l'applaudir. Et Mister Anas, pour la super finale, tu vas te mesurer à tonton dans une mort subite. Le premier qui valide le Revolution Challenge gagne le challenge. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. N'oublie pas de m'envoyer ton Revolution Challenge à l'adresse email indiquée ci-dessous avant le 24 février pour faire partie de la compétition The Rice Bowl. Si tu veux avoir plus d'infos sur cette compète, clique sur le petit qui s'affiche juste en haut à droite de l'écran. Et maintenant, battle de vidéo. Ça, c'est la finale. Anas qui commence sur feuille ciseaux. Tu es prêt? Ça fait pierre, feuille ciseaux. Boom. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, ça lève à la bonne hauteur. Oh là là, le contrôle. Elle est... On la valide. Oh là, le tour du monde en plus. Oh, 16 secondes avec un contrôle de malade mental qui lui enlève un point. Un tour du monde qui lui enlève une seconde. Ce qui le fait arriver à 14 secondes. Franchement, ça va être archi chaud de le battre. 2, 1, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bon voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Gros merci aux Urban Bowl FC et aux Pama Bowler d'être là aujourd'hui sur la chaîne Cochian. Je vous invite, vous, la YouTubeuse, à vous le faire chez vous parce qu'à chaque fois que je vais affronter des teams au Revolution Challenge, vous allez passer dans la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais montrer le meilleur Urban Bowler qui sait faire ce Revolution Challenge. Donc, à vous entraîner chez vous, vous avez besoin de la Revolution Ball ou pas, vous le faites, je vous explique les règles tout au début de la vidéo. Sinon, c'est dans la description. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez-moi en commentaire votre temps au Revolution Challenge si vous ne pouvez pas envoyer de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Coach Chain en cliquant sur le Coach Chain qui apparaît. Bye.